Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Café Collector, aujourd'hui, c'est pas mon collector à moi, c'est un collector de mon pote, Ninja Gaiden 54, voilà. Bonjour à tous. Et voilà, t'as craqué là mon gars. J'ai craqué mon script, fan de Resident Evil et fan de Street Fighter, j'étais obligé de craquer pour ce magnifique collector. C'est bon ça. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Je vais laisser faire un unboxing, on va mettre un autre plan, on y tranquille. Va, c'est parti. Allez, c'est parti. Je vais mettre comme ça, pas qu'on voit ton visage. Parce que oui, anonymat, bien sûr. Anonymat, question de sécurité et de. Voilà. Non. Bah, c'est... non. T'es pas connu pour l'instant, mais tu vas être connu grâce à Flo. Grâce à Flo, un très bon ami à moi. Alors, putain, quand même. Ouais, j'enlève les deux pastilles autour. Parce qu'on a une caisse de mallette ou je sais pas. C'est une espèce de mallette, on dirait, hein, Flo. Je sais pas. Ah, il y a la même en dessous, attends. La même en dessous, ouais. Donc ça doit être une espèce de fourreau, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que les pastilles, tu vois, elles sont restées toutes seules, donc je suis quitte d'arracher le carton. Ouais. Le carton, moi, qui est assez maniaque et qui adore prendre soin de mon matériel. Mais comme je dirais à tous, de la soleil, de la soleil. Bon, c'est parti. Bon, on va enlever les deux pastilles en dessous. Ouais, c'est un four sur le côté, moi. Sur le côté, ok. Ouais. Oh, ok, regardez les amis. Hein. Bon, si on voit ton visage, je floute. Hein. Floute-moi. Ouais, ah, c'est bien une espèce de caisse. Alors, tu me. Bon, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, tu as la statuette de Léon, t'as une espèce de carte, un steelbook. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est DLC, donc ok. Et t'as un OST. Je vois. Un OST. Donc j'espère que c'est en CD, ça serait bien. Attends, je vais voir ce qu'il s'écrit là. Resident Evil, le jeu. Ah, c'est en digital, en numérique. Donc tu vois, sans code. C'est dommage que. Ouais, j'aurais bien aimé voir en CD, quoi, les OST, moi. Donc tu vois, vas-y, on va passer. Bébête. Allez, on y va. Ah la bébête, oh magnifique steelbook. Je suis beau, vraiment très 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 joli, désolé. C'est vrai que je l'aime bien, franchement. Regarde. C'est vraiment le visage. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je l'aime bien. Derrière, franchement. Survie. Mais tu vois, sur la boîte standard classique, vous avez aussi la même couleur. Ouais, j'ai la même. T'as la même, t'as reçu à la maison? Non, j'ai pas reçu, mais j'ai vu l'arrière. D'accord, donc voici le steelbook, on va l'ouvrir après, on va le mettre de côté. Voilà. Alors après. Ouais, l'OST, je vois, ne montre pas le code surtout. Ne montre surtout pas le code. Alors, sinon, je le floute, il n'y a pas de problème. Bon, nous allons entrer. L'OST, hop. Ouais, avec les OST, les DLC, ok. Hop. Ah, Leon S. Kelly. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est pas la statue quand même. C'est la statuette, ouais. C'est la statue. J'aurais dû faire un gosse de l'eau. En tout cas, ça sent ce que j'avais, j'étais pressé. Sens-moi ça, Flo. Sens-moi le neuf. Ah, ça sent d'ici, hein. Vous sentez pas, mais... Regardez les amis, regardez les amis. Oh là là. J'ai la voix défoncée, hein. On voit le flingue. Bah pied. Oui, t'as joué toute la nuit encore, regarde. Hop. C'était un vrai. Je pense qu'il va le mettre après. On va le poser après, je pense. On le pose après? Ouais. Dans la table tranquille. Donc là, donc, il manque quelque chose. Normalement, la carte. Nous avons la carte normalement du jeu. Pour pas se perdre. Pour pas se perdre dans les bois, regardez. Et un artbook. Moi, c'est surtout l'artbook, les amis. Ouais, regardez. On va feuilleter un petit peu, vas-y. Moi, c'est surtout ça que j'aime bien, les artbooks, tout ça, les OST, j'adore. Resident Evil 4. Regardez, oh, oh, oh. T'as Léon magnifique. Hein. Ouais. Mais ils l'ont bien retravaillé. Quel beau gosse. Ashley. Lois Sayer. Ah. Villageois. Ah, c'est un très très joli collector. Hein. Vous avez vu, bon. Hop, hop. Et nous avons aussi normalement la carte. La carte du village. La carte du village. Donc, attendez. Idéal pour les trésors qu'il y a peut-être dedans. Peut-être. Ah non, il nous montre pas les trésors, mais regardez. Il y a le lac. Ouais, je vois. Impeccable. Magnifique.
Magnifique, c'est une belle pièce. Franchement, ouais. Qu'est-ce que t'en penses pour du collector? Impeccable, hein, franchement. Il te plaît? Moi, je suis pas très collector, pour te le dire honnête. Mais bon. Mais c'est bien de. C'est bien que j'ai créé une émission Café Collector. Café Collectif. Voilà. Donc on va ouvrir le. Franchement, ouais. On va mettre ça en place. On va pas se mentir. Le petit steelbook, et franchement. Il est magnifique. Ah, c'est un espèce de fourreau en steelbook, je crois. C'est le steelbook. Ouais, il y a un steelbook dedans. C'est le jeu dans le steelbook. Ouais. On connaît de voir ce qu'il y a dedans, quoi. On a très très hâte. Moi je pense qu'il y en a nous deux qui vont live sur ce jeu. Tu live ce soir quoi? Ouais, je pense que je vais live ce soir. Alors que l'abdo est live ce soir. Donc voilà quoi. Franchement, ouais, la carte, on va pas se mentir, magnifique. Bon, allez, on fait une petite pause. Bon, on va mettre tout ça, on va mettre directement la statue. Allez, lourd, la statue plus large. Attends, je vois. Ah oui, quand même. Et en plus, elle a la tête. Elle est assez lourde, quand même. Je pensais pas que c'était trop. C'est bien du. Non, on dirait. C'est mieux que du plastique. C'est mieux du plastique, hein. Ouais, c'est pas du plastique. Franchement, ouais. Il se met comment, là? Galère sur le ventre, les trucs comme ça. Le pompe, ouais, magnifique. On se met comme ça, je pense. Ouais, ça clipse en mode de vie, ouais. Alors, on va pas casser. Hop. Après quelques minutes de galère, on a enfin assemblé le lion. Magnifique, mec. Franchement, on a fait du bon boulot. Franchement, on peut se tigraver Léon Esquilini, bien sûr. Voilà, Léon avec son fusil à pompe, pistolet à la poche, voilà. Franchement, il est pas mauvais, je trouve. Hein. Franchement, bien fait, quoi. Voilà, franchement, magnifique comme collector. Ouais. Là, franchement, magnifique. Magnifique! C'est vraiment très très bien fait. Pour un super collector, franchement, super collector, Max, GG. Merci pour toi. Franchement, voilà, super collector, voilà qu'on a unboxé ensemble. Ah, c'est plutôt toi qui as fait avec tes mains. Hein. Moi j'ai tenu la caméra, voilà. Donc voilà, donc sur ce beau petit collector. Bah d'ailleurs j'en ai pas le steelbook, tu sais quoi. On va l'ouvrir le steelbook, vite fait. Mais franchement, le beau gosse est sorti. Léon. Magnifique. Donc vraiment, c'est vraiment le collector. Oh, ok d'accord. Ouais en fait c'est une fourreau. Il est sympa hein, franchement c'est une belle pièce quand même. Hein. Oh, ça sent le neuf. C'est magnifique. C'est ça le plaisir du physique, c'est qu'on a nos odeurs. Voilà, impeccable. Voilà les amis. Franchement, voilà, la superbe, franchement, super bonne unboxing. Okay. Pour des légènes. Sacré coffre. Je crois que c'est la même taille pour les autres collecteurs, il me semble. Ouais, les deux, ils ont fait exprès quoi. Ouais. Enfin bref, voilà quoi. Bon, bah on va se dire les mots de fin, hein. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, hein, bien sûr. Commentez aussi, donnez votre avis, si vous avez reçu votre collector aussi, sur n'importe quel support. Mon pote du Micromania m'a dit d'avoir reçu du collector, mais ils étaient endommagés. Endommagés ? Ouais, que le mail a été nickel, j'ai eu de la chance. Oh merde. Je crois que tu m'aides à... Ouais. Bon, on va se dire à la prochaine, les gars. Et nous, on va se faire un bon petit requête, hein. Allez, hein, sur ce, la bise. Ciao.